Dans notre dernier numéro, vous avez été nombreux à apprécier le duel des frères Beltoise au volant des deux Honda S2000. Voici la suite. Aujourd'hui, Anthony et Julien essayent deux versions différentes de l'Audi TT. La Roadster 2 roues motrices 180 chevaux contre le coupé Quattro 225 chevaux. 45 chevaux les séparent, en faveur du coupé, mais également 125 kg et 17 000 francs en faveur du Roadster. Faites votre choix les frangins. Anthony, Julien, donc aujourd'hui l'essai de deux Audi TT, la Quattro coupé 225 chevaux face à la Roadster 2 roues motrices 180 chevaux. Anthony, tu préfères laquelle ? Le choix n'est pas facile parce que j'aime beaucoup le concept TT, de par le design de la voiture. Personnellement, je pense que pour le look et l'utilisation, je prendrai la cabriolet. Elles sont vraiment très sympas, avec les roues aux quatre coins. C'est vraiment un peu le design des voitures actuelles que j'aime beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne le choix, moi je me porterai quand même plus sur la Quattro. Je trouve que la gueule de la voiture avec un toit fermé est très jolie, et l'agrément de conduite de la Quattro et le surplus de puissance est pas négligeable sur mon point de vue. Voici pour le choix esthétique des frangins. Au-delà, qu'en est-il du comportement dynamique ? Sur le coupé, le turbo, la pression de turbo est un peu plus élevée. Donc on a une boîte 6 aussi, donc ce qui fait qu'on a un étagement un peu mieux fait. Donc c'est vrai qu'il y a une sensation de puissance un peu plus importante sur la coupé. Mais je préfère par contre le bruit du moteur de la cabriolet, où là on a vraiment le son du turbo qui souffle, et aussi les lâchers de pied, ce petit soufflement, j'aime beaucoup. Toi Julien, au niveau de la boîte La boîte accroche un peu. Elle est beaucoup plus facile à passer, beaucoup plus rapide sur la boîte 5 de la cabriolet. Bon là elle accroche un peu, mais elle est très précise, avec un débattement très court, et je trouve que ce sont des bonnes boîtes dans l'ensemble. Ces deux voitures, on a vu que justement dans les virages un petit peu serrés, elles avaient du mal à partir. Par contre, dans les virages rapides, elles ont l'air d'être très 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 vives. T'en penses quoi, Anthony, toi ? Oui, c'est vrai, dans les virages serrés, quoi, tout ce qui est épingle, la voiture est vraiment très saine. C'est un léger sous-virage, même sur les réaccélérations, je trouve que la voiture est très saine dans le sens où il n'y a pas trop de perte de motricité. Donc non, vraiment très agréable. Par contre, c'est vrai que dans les virages un peu plus rapides, à une vitesse un peu plus élevée, si on conduit sans l'ESP, bien sûr, au moment du lever de pied dans la courbe, dans une courbe, si on lève le pied brutalement de l'accélérateur, si on peut être surpris par quoi que ce soit, c'est vrai que là, la voiture, le train arrière, elle devient très léger, comme toutes les masses vont sur l'avant, et le train arrière devient très léger, donc vraiment, faut se méfier. Mais avec l'ESP, c'est vraiment aucun souci, il est très très bien réglé. Dès que l'ESP sent que la voiture bouge un petit peu, il reprend le contrôle de la voiture. Et sur la Quattro, c'est le même phénomène que sur la deux roues motrices ? Oui, je trouve aussi. Ouais. Ah ouais, complètement. C'est vraiment le même phénomène sur les deux voitures. On a l'impression que la voiture est très bien tenue en roulis, mais un peu moins bien en transfert de masse. Et donc plus les vitesses augmentent, forcément, plus le transfert est important. Et donc dans tout ce qui est rapide, c'est vrai que la voiture a tendance à être très vicieuse de l'arrière, à décrocher légèrement. Bon, l'ESP, comme l'a dit Anthony, remet tout ça dans l'axe très rapidement. Mais on a été surpris au départ en essayant sur des courbes et sur des virages où il y avait très peu de vitesse. Là, on avait vraiment du mal à la faire décrocher. Même en rentrant très fort, en freinant très fort, la voiture avait du mal à partir. Alors que dans les courbes assez rapides, naturellement et presque exagérément, la voiture part un peu de l'arrière. Alors en comportement, laquelle est la plus efficace, la Quattro ou la deux roues motrices ? Oh, sans aucun doute la Quattro. La Quattro, je me suis plus amusé avec la Quattro qu'avec la deux roues motrices. D'une part parce que la Quattro permet de prendre un angle, je pense, c'est dû aux quatre roues motrices, parce que la RS4, c'est un peu le phénomène qu'on avait, on arrivait à prendre énormément d'angle dans le dérapage, et en contrôlant, sans faire de tête à queue. Donc c'est vrai que ça, c'est pour moi, pilote, c'est très amusant. J'ai pas vu les chiffres, mais vraiment, en sensation pure, je pense que la Quattro, d'une part, du fait de son attachement de boîte, une boîte 6, donc on a des rapports un peu plus courts, donc on a une meilleure utilisation moteur. Donc c'est vrai que pour moi, la Quattro, en sensation, me procure plus de sensations de puissance que le cabriolet. Bien qu'il n'y ait pas un écart, oui, énorme, pas c'est pas flagrant. Hein, maintenant, c'est forcé puisque la voiture fait quand même 45 chevaux de plus. Et en tout cas, bon, c'est sûr que la 225 chevaux est plus performante et on a une meilleure sensation de puissance à l'intérieur. Un petit mot sur l'ambiance à bord ? Je suis vraiment emballé par le design intérieur. Tout noir avec ces espèces d'acier brossé. Moi j'aime beaucoup. Aussi tout le design, les aérations d'air, enfin tout plein de petits détails font que moi ça me plaît beaucoup.
Mais bon, je préfère le cabriolet quand même, on a un peu plus de... On a une sensation de liberté un peu plus importante. C'est vrai que dans le coupé, on a le toit vraiment au ras de la tête, on est bien enfoncé dans le siège, l'ouverture des fenêtres est toute petite, on est un peu plus claustro dans le coupé. Bien que franchement, la position de conduite est exemplaire. Ouais, position de conduite, on a une fabuleuse. Position de conduite dans cette voiture du fait d'être assis assez bas, le volant qui est réglable en hauteur bien sûr, mais aussi en profondeur, et toute une planche de bord qui libère bien les jambes. Pour moi, c'est la position de conduite avec un grand L. Et on n'a pas aussi parlé des freins qui sont étonnants, qui sont d'une performance inouïe. L'ABS est aussi très très bien puisque il se déclenche très très tard. On n'a pas besoin de lâcher la pression sur la pédale de frein pour enlever l'ABS. Lui-même le fait tout seul, c'est un ABS dernière génération très, très bien étudié. En définitive, Anthony et Julien, êtes-vous plus Honda S2000 ou Audi TT? C'est pas une question facile parce que je pense qu'il faut vraiment se positionner différemment. La S2000 procure des sensations de voiture de course et à utilisation quotidienne, je pense que je serais plus à même d'acquérir une voiture comme la TT cabriolet. En agrément de conduite, je préfère l'Audi parce que justement, on n'est pas obligé de tirer beaucoup de régime moteur. Donc, ce qui fait qu'on a assez moins bruyant, c'est beaucoup plus de couple. Moi, je préfère les moteurs coupleux plutôt que les moteurs où il faut vraiment tirer beaucoup de régime pour avoir de la puissance. D'accord. Maintenant, vraiment, celui qui aime avoir la sensation d'être dans une voiture de course avec prendre vraiment des hauts régimes, etc., à mon avis, il sera dans la S2000, ce sera son truc. Ouais. Donc, ces deux voitures, elles sont vraiment civilisées en fait. Ah oui, celles-ci sont vraiment civilisées. C'est des vraies sportives. Ce sont des vraies sportives, j'aime pas trop ce terme vraies sportives, c'est sûr, elles sont sportives, elles ont le look, le freinage, l'accélération bien sûr, mais je pense que la S2000 est beaucoup plus joueuse dans sa sportivité que celle-ci. Aussi, juste au niveau de la rigidité du cabriolet, on parle de la S2000, je trouve que le cabriolet S2000 était plus rigide que la TT. La Quattro donc, offre un peu plus de rigidité, donc je dirais une vitesse de passage en virage et surtout un confort plus important que le cabriolet. Eh bien Anthony, Julien, en tout cas, merci beaucoup pour votre avis, pour l'essai, et puis on vous dit au prochain numéro de live. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Salut, à plus.